Je suis Jean de City, professeur à l'Université de Chicago dans les départements de psychologie et de psychiatrie. Le projet qui m'amène à l'Institut d'études avancées de Paris vise à construire une communication entre les sciences biologiques et les sciences sociales afin de mieux comprendre la condition humaine. Lors de mon séjour à l'IEA, j'organiserai une série de séminaires et de rencontres avec mes collègues économistes, sociologues, politologues, psychologues ou biologistes, afin de favoriser l'approche interdisciplinaire et naturaliste des neurosciences sociales. L'idée des neurosciences sociales est que tous les phénomènes sociaux, comme la coopération, la prosocialité, les hiérarchies sociales, le tribalisme, l'amitié ou la morale, sont sous-tendus par des mécanismes biologiques façonnés par l'évolution qui sont influencés par l'environnement culturel et social. Les aspects biologiques et sociaux interagissent de façon dynamique et sont interdépendants. Il est donc essentiel d'articuler ces différents niveaux d'analyse pour comprendre l'humain de façon plus globale, en tenant compte de la complexité inhérente aux phénomènes sociaux. Lorsque les analyses interdisciplinaires intègrent les approches issues des sciences biologiques et celles des sciences sociales, elles élargissent considérablement nos connaissances théoriques sur les plans descriptifs et prédictifs. J'envisage aussi, pendant mon séjour à l'IEA, d'écrire un livre en français pour partager ces connaissances auprès du grand public. Les neurosciences sociales constituent en effet un domaine de recherche passionnant et en pleine croissance. Ces applications sont potentiellement nombreuses, notamment dans l'éducation, la santé, la justice et les politiques publiques.